Ça tourne. Bon, alors il paraît qu'on doit vous rendre un petit hommage. Alors ben moi qui parle beaucoup d'habitude, je vais pas rentrer dans les grands discours. Je vais juste vous faire un petit hommage personnel. Puis si ça vous plaît pas, ben tant pis. Petit hommage qui commence par ça. Puis ça. Évidemment, ça. Et ça. Pour cette opération dangereuse. L'invitation de Monsieur Pupier n'est pas sans risque. Je me suis muni d'un volontaire, ici présent. Stagiaire anonyme au bord du gouffre. Tout est dit. On y va. Il y a des têtes qui vont tomber. C'est un bon pépère, ça. Ah, ça, c'est un chien en cotation 3, ça, hein? Ah oui. Ah, il est dangereux, le pépère. Oh là là. Ah, il est dangereux. Oh, bah oui. Hein. Alors voilà, là. Tout ce qui critique. Vos pseudo-comportementalistes à la con avec vos méthodes naturelles. Essayez de faire ça avec un cotation 3 et après on en reparlera, hein? Allez, connard! Assis! Oh, j'ai dit connard! Machin, au pied! Halt! Alors, quand on est dans l'apprentissage, je vous interdis pas d'utiliser votre jambe de guide! Ça fait 3 semaines que vous êtes là, j'ai encore des couchers pas corrects! Ça va monter! Je suis en rouge! Machin! Couché. Couche. Couche. Je t'ai dit de te coucher. Coucher. Couche-toi. Vous pouvez verrouiller le chien. Pas bouger. Mais toujours dans le calme. Encéphalogramme plat. Et là, le cabot, là. Il a confiance en moi, parce qu'il a compris que c'est moi le patron. Hep ! Sur moi ! Oh, connard ! Oh ! À bord ! À bord ! Bon ! Connard, assis ! Et là, vous n'hésitez pas, c'est un refus d'obéissance. À partir du moment où il y a refus d'obéissance, on verrouille le chien. Connard, assis ! Il est pas beau ton assis là, mieux que ça. Si vous n'avez pas un assis droit, vous n'aurez pas un coucher droit. Pourquoi faire les choses à peu près assis quand on peut les faire à la perfection? C'est bien mon putain. Ouais, t'es un beau gamin, hein? Tiens, prends un peu ma vapeur de cancer, c'est ça qui t'apaise en fait. C'est un beau pépère. Alors maintenant pour une marche au pied sans laisse. Je comprends pas là avec toutes vos affaires de bal aimanté, de trucs. La communication, instaurer un lien avec votre chien. Vous devez le sentir ce cabot. Et il peut vous sentir aussi par la même occasion. Machin, au pied. Halt. Assis. Excellent. Excellent gamin. Très bien gamin. Bon, vous voyez que le chien est intelligent, il comprend très vite, donc on va essayer de le coucher sans gestuelle. Machin, coucher. Donc là, le chien ne m'écoute pas, on est dans le refus d'obéissance toujours. Hein. Donc on monte
dans les tours. Vous voyez, il a eu peur de moi. Chez monsieur Pupier, il s'est couché tout seul. Bon, maintenant on va mettre le machin au assis, on va essayer de faire un coucher à distance. Est-ce qu'on est dans le bon sens pour la caméra au niveau de la lumière? Alors. Machin? Qui? Je ne veux pas que le chien se soumette. Au pied. Assis. Monsieur, bien gamin. Pas bouger. Alors si on sent que le chien n'est pas fixé, on n'hésite pas à utiliser la déviation. Comme ça, le chien est toujours capté sur ce que je fais. Voilà, voyez, on franchit la ligne des 5 mètres. Hein. Il y a quand même du caractère chez ce cabot. Hein. Et hop, je me retire. Pour pas que le chien se sente agressé. On ne veut pas que le chien se soumette. Maintenant, je vais me servir. Bon, j'ai plus d'air. Oh, la cigarette, hein. Voilà, il est heureux le pépère là. Ouais, c'est bien mon gamin. Et on n'oublie pas de féliciter. Mais pas des caresses à la Carole là. Hein. On n'est pas là pour vendre du boudoir et de la caresse de ménère. Hein. On veut de la caresse franche. C'est bien gamin. C'est bien. Didier, ça vous a servi? Voilà. Le chien il dégage. Voilà, vous êtes détendu? Qu'est-ce qu'il est en train de faire le chien là? Il n'a pas le droit de pisser sur le terrain. Récupérez-moi ce chien. Putain la cabane. Voilà. C'est par là, Jasper. Très bien, on ne court pas après le chien. Très bien. Portez. Bon. Donnez-moi une laisse. Non, 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 ça me gonfle là. Poubelle. Poubelle, ça me gonfle. Poubelle. Voilà, encore loupé. Oh, voilà, j'ai réussi à comprendre un truc. C'est que finalement, être monsieur Pupier, c'est dur. Je comprends que vous soyez fatigué. Je vous laisse ça. Moi, je préfère être plus globe. À mes côtés, je vous demande d'applaudir quand même Richard, excellent. Christophe, oui, jeune homme. Bravo, bravo. Excellent. Magnifique. Didier dans le rôle de Zébulon. Non, Mimi Maquille, c'est mieux. Carole à l'assistante réalisation. Bravo. Excellent. Reste là toi. Et à la caméra, scénariste et réalisatrice, notre chère amie Alice. Yeah. Yeah. Merci monsieur Pupier pour tout ça et on vous aime quand même. Malgré tout. Malgré tout. Hein. Même si on vous en fout très bien.